Bonjour. Bonjour, yatikoum al-afi. Deuxième exercice, de voir la figure ci-contre montre quelques positions successives d'un plat se déplaçant dans un plan. L'intervalle de temps séparant deux points consécutifs quelconques et constants est égal à taux égal à 50 millisecondes. Première question, partie A, calculer la vitesse du mobile au point M3 et M5, au point M3 et M5. En ces deux points, on doit calculer la vitesse et déterminer ou tracer la vitesse. Représenter le vecteur vitesse en ces points, M3 et M5, à l'échelle, chaque 1 cm, on peut considérer chaque 1 cm comme 0,1, par exemple, mètre, centimètre sur seconde ou mètre sur seconde. 1 centimètre, c'est-à-dire 0,01 mètre sur seconde. Puis, on doit représenter l'accélération totale au point M4 et déduire la valeur. Bon, c'est la question. On doit déterminer la vitesse V3 et V5. V3 égale M3, M2, M4 sur 2 taux égale M2, M4. Approximativement, c'est 1, M3, M2. M4, là, M2, approximativement, c'est 4 cm. Tabarn, la mesure exacte, on a l'ouvrage, on va nous à la mastara, on va voir, de M2 à M4, combien de centimètres on a? On a 5 cm, approximativement 5 cm, donc 5 fois 10 puissance moins 2 pour réduire de mètre, de centimètre en mètre, sur 2 taux, 2 fois 50, fois 10 à la puissance moins 3. Donc, V3 égale, après calcul, 0,5 mètres sur seconde. De même, la vitesse V5 égale M4, M6 sur 2 taux égale approximativement M4, M6. Andy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm, approximativement 7 cm, soit 7 cm. Divisé par 2 taux, 2 fois 50, fois 10 à la puissance moins 3, fois Andy 10 à la puissance moins 2, alors V5 égale 0,7 mètres sur seconde. فينا نغير الإشارة لأنه عندي أنا هون على الرسمي طلع الرقم كبير. إذا بدنا ناخد شاك 1 سنتيمتر 0.01 متر سير سيكوند بطلع كبير 0.1 متر سير سيكوند بيمشي الحال. يعني عندي أنا 0.5 سنتيمتر كمبيان 2 cm, c'est 5 cm. Yani on trace 5 cm. De même, 0,7 cm au mètre sur seconde, mètre sur seconde, est représenté par 7 cm. On est représenté par 5 cm après calcul. Faisant au point M2 ou M3. La vitesse est 5 cm, représentée par 5 cm tangente à la trajectoire. Elle est approximativement parallèle à M2, M4. L'anoule 1, 2, 3, 3, 4, 5 cm. C'est la vitesse. نرجع نرسمه بشكل دقيق أكثر.
حدد الألم. Donc à partir de ce point M3, MD1, 2, 3, ouais, 4, 5 cm, c'est la vitesse V3. Au point M5, quand même parallèle à M4 et M6 approximativement, au perpendiculaire au rayon de courbure, je vais mettre 7 cm, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cm. C'est la vitesse V6 en ce point. Deuxième partie de la question, tracer le vecteur vitesse après calcul en choisissant l'échelle convenable, on peut tracer le vecteur vitesse en ces points. Partie B, déterminer ou tracer le vecteur accélération A au point A4. A4 égale V5 moins V3 divisé par 2 tout vectoriellement. طبعاً ما فينا نقص الـ V5 موان V3 لأنه هيدا ديفرنس فيكتوريال. On peut tracer le vecteur V5. À partir de ce point A4, on peut tracer le vecteur parallèle et équipollant au vecteur V6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cm. C'est la vitesse V6, mais à partir du point M4. La vitesse V3, pour tracer le vecteur V6 moins V3, on trace à partir de l'extrémité du vecteur V6, le vecteur moins V3. Moins V3 dirige dans ce sens, parallèle à V3. 1, 2, 3, avec un tour de 5 cm. 1, 2, 3, 4, ouais, des 5 cm. C'est la vitesse moins V3. C'est moins le vecteur vitesse. Dans nos deux sens opposés, parallèle et de sens opposé. طيب عندي الفكتور ديفيرنس يعني V6 موان V3 V6 موان V3 هو هيدا الفكتور فكتور كونسيكوتيف لأنه هيدا الفكتور يلي بنسميه دلتا V4 دلتا V4 إيجال قدي بيساوي دلتا V4 هي دلتا V4 sur 2 taux. Voilà, ensemble, notre delta V4, comme le chefin, un vecteur égale K fois un autre lorsque ces deux vecteurs sont parallèles. Donc, delta V4 et A4 sont parallèles, sont de même sens. Parallèles et de même sens. Par exemple, l'accélération A4 dirige dans ce sens. Comment déterminer la valeur de cette accélération? On utilise l'échelle concernant la vitesse. Pour chaque 1 cm, fait correspondre 0,1 mètre sur seconde. Voilà. On mesure à l'aide d'une règle le vecteur delta V4, 1, 2, 3, approximativement c'est 4 cm. Donc, 4 cm. Le 4 cm correspond à delta V4. Donc, delta V4 égale 4 fois 0,1 sur 1 égale 0,4 mètres sur seconde. Connaissant la variation de la vitesse au point 4, donc A4 égale, et le delta V4 en valeur,
divisé par deux taux, chaque thème par sa valeur, 0,4 mètres sur seconde carré, unité, sur seconde, sur 2 taux, il y en a 2 fois 10 à la puissance, 2 fois 50 fois 10 à la puissance au moins 2, il y en a 0,4 sur 0,1, on a 0,1, 10 puissance au moins 2, 2 fois sur 1, il y en a 10 à la puissance au moins 3, on fait un sur 0,1, il y en a 4 mètres sur seconde au carré. Voilà, dans l'orsum, l'accélération, on doit choisir une échelle convenable. Soit pour chaque 1 cm, fait correspondre, par exemple, 2 mètres sur seconde au carré. Donc, le 4 mètres sur seconde au carré fait correspondre à combien de centimètres? 2 cm, là où x est ici. Et ça va dire seulement x égale 4 fois 1 sur 2, égale 2 cm. Pour somme l'accélération, 2 cm à partir du point A4, au point M4, ou quand même parallèle à la vitesse, c'est-à-dire de même sens et direction que la vitesse. C'est l'accélération totale A4. Allez-y. L bel aswad est à 4. À partir de ce point, on a fait le calcul, Est-ce que vous avez dû parler de le vecteur accélération ou tracer le vecteur accélération normal et tangente? On va choisir le nom moyen, par exemple, c'est le nom. À partir de ce point, on mène la tangente à la trajectoire. هذا التانجنت على التراجيكتوار طبعا اسهل علينا اذا معنا السنتر نحن نفترض السنتر موجوده هون نقدر نرسم بيربوندكولار من هون على السنتر بيطلع عندي النورمال لنقول هذا هو النورمال نفترض هيك سنتر بهالاتجاه كومو تراسي لو فيكتور اكسلراسيون نورمال اي تانجنت طيب ناخذ اول شيء الفيكتور نورمال هذه انورمال من هون لهون هذه انورمال اذا بدي اقيسها بقدر اقيسها بالسنتيمتر اذا بدي اقيسها ممكن يطلع 1.5 سنتي شو ما طلعت طبعا بصير اكزاكت عندكم انتم على المسطره والورقه وهذه اتونجنسيال مثل ما ملاحظين A tangential tangent à la trajectoire يعني portée par la vitesse V4 anormal perpendiculaire à cette vitesse إذا بدي أعمل verification طبعا عندكم أنتم صارت المسألة هون إحنا خلص السؤال عندنا هيك هلأ ممكن يقول لي calculate A4 فينا إحنا نشتغل على الإشل اللي عندنا شك 1 سنتيمتر 2 متر سير سيكوند كاري طلع معي مثلا 1.5 أو 1.5 سنتيمتر كم دو متر سر سكوند هي الأنورمال تعتبر نعمل كالكول للأنورمال تطلع 1.5 فوا 2 إيجال 1.5 فوا 2 بيطلع عندي 3 متر سر سكوند كاري هي أنورمال أو بوان 4 أتانجنسيال لنفترض طلع معي 1.2 1.2 cm fait correspondre à 1.2 عندي حسب الاشياء 1 cm 1.2 fois 2 faisant A tangentiel 4 تطلع 1.2 fois 2 approximativement égale 2.4 mètres sur seconde carré برجع بكرر هيدا المزور يلي عم قيسه انا منه دقيق لانه بتصغر الرسمه وبتكبر حسب ما الشده وبيطلع عندي كمان إذا كان شغلي مظبوط حيطلع معي الآ نورمال يلي عملت لها كالكول يلي هي طروها هون إيجال في أوكاري سور لريون
نعمل كالكول للفي 4 او كاري بنرفعه او كاري بنقسمه على الريون. الريون طبعا هو باتجاه السنتر، من حيلا نقطة موجودة هون على السنتر لإلكم جيومتريك مو كيف فينا نجيب هيدا الريون. إذا معي مجموعة نقاط موجودين على سيركل، في آخذ أنا بالمسطرة خط من هون لهون، يعني حيلا كورد هيدا بنسميه كورد، وبناخذ المدياتريس لإله بيطلع عندي دروات. كمان باخذ المدياتريس لحيلا نقطتين تانيين موجودين بجدول يكونوا حدا بيكونوا مطرح تاني، باخذ المدياتريس لإلهم بيطلع عندي سيدو مدياتريس يكوب اون ان بوان او بار اكزومبل سي لو سونتر دو سيرك. فاذا هيدا بيكون ساعتها هيدا هو الريون، بقيس من الاو لعند هاي النقطة، مش من عند هاي النقطة لعند البوان هاي او لهاي، حيلا نقطة موجودة حيطلع معي الريون. مع الريون والفيكات بنقدر نقيسها، بقيس فيكاري فيكاري سور لي ريون بيطلع عندي فالور. اذا كان شغلي صحيح 100% بده يطلع معي الانورمال يلي طلعت معي هون 3 متر سو سكوند كاري، لازم تطلع ايجال في 2 في 4 او كاري ديفيزي بار لي ريون ديجا ديتيرميني. يعطيكم الف عافيه.